Je suis Robert Béra, je suis chef parfumeur de la société Florescence et souvent l'on me pose la question comment choisir un parfum pour une personne que l'on aime. La façon la plus banale, c'est de rentrer dans un magasin et de demander quelles sont les nouveautés. En principe, il y en a, à toutes les saisons, nous trouvons des nouveautés. Si c'est un parfum pour votre maman, il est préférable de se souvenir du parfum qu'elle mettait dans sa jeunesse ou qu'elle continue à mettre, bien sûr. Sinon, on peut toujours essayer de trouver, avec les conseils d'une vendeuse, un parfum nouveau, adapté à l'âge de votre maman. Ça, c'est souvent un parfum structuré de ce produit, qui est un parfum structuré qui correspondra à son âge. Si c'est pour la femme que vous souhaitez conquérir ou que vous aimez déjà, si c'est un début de relation amoureuse, il est préférable de choisir une nouveauté légère, fraîche, un petit peu fruitée, mais je dirais pas trop, n'ayant pas trop de caractère. Quelque chose de assez passe-partout pour ne pas faire une erreur de choix. Si c'est pour une personne que vous connaissez déjà, dont vous entretenez déjà une relation, il est préférable déjà de choisir un parfum. Un eau de toilette peut être un fruité, gourmand, pour une femme blonde, un petit peu avec un fond vanillé, musqué. Pour une femme brune, il est préférable, bien sûr, de choisir une note plutôt thé, un petit peu orientale, une note chaude. Ces produits, ces notes vous accompagneront, bien sûr, lors d'une soirée, avec un dîner, puis une soirée ou au théâtre ou au cinéma, et l'accompagneront dans sa nuit et lui permettront d'avoir de rêver un petit peu à la soirée et de penser à sa soirée.